Le projet de résolution sur le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud, revisité mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Le nouveau projet prévoit une étroite collaboration entre le gouvernement de Djouba et la force régionale, qui ne sera déployée que pour 4 mois dans le pays. Les soldats de la force ne seront non plus soumis à aucune restriction en matière de sécurité des populations. Un embargo sur les armes sera également imposé au gouvernement si des obstacles venaient à être signalés. Par contre, le texte maintient l'idée du plan initial selon laquelle la force régionale serait placée sous le commandement de la MINUS. De la voix de plusieurs diplomates, un vote sur le projet de résolution toujours en cours de négociation pourrait avoir lieu vendredi. Le texte a été mis en étude après le rejet du texte initial par le président Salva Kiir, qui estimait que les 12 000 hommes de la MINUS étaient assez nombreux.